Et l'homme est un nomade, et toute sa vie, l'homme, je crois, un homme normal rêve de foutre le camp d'une espèce d'aventure, quel qu'il soit, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans, quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer, il vous dit, j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin, tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Alors, amarrage, check, drapeau, check, motivation, check, yeeha. Je suis assez contente parce que finalement ma façon de voyager, de faire mes aventures s'affine au jour le jour. Là vraiment le fait d'être en camping pour l'instant c'est plutôt positif comme bilan parce que j'ai fait des belles rencontres. Hier soir j'ai rencontré une personne qui avait quoi entre 60 et 65 ans qui s'appelle Geneviève. Du coup elle m'a proposé un bol de soupe parce qu'elle a vu que j'étais seule et tout. Donc voilà, belle rencontre, on a bien papoté. Ce matin, pareil, j'ai rencontré Géraldine du Nord, qui vient du Nord. Et voilà, donc pareil, belle rencontre, on a bien papoté. Et à chaque fois, finalement, c'est plus les femmes qui viennent vers moi, parce que je pense qu'elles voient que voyager seule, c'est pas non plus évident. Et du coup, bah, ça les intrigue. Et à chaque fois, ils disent « Ah, bah, c'est bien, vous êtes seule et tout, je sais pas si je pourrais. » Alors je dis « Bah... » Vous savez pas si vous pouvez ou vous avez pas essayé. En tout cas, c'est vrai que bah quand on est en camping le soir, franchement, on se sent plus en sécurité. Déjà, on n'a pas la peur de se faire jarter la nuit, on n'a pas la peur de rencontrer
quelqu'un de mal intentionné. Et voilà, finalement tout ça pour dire que bah, je me laisse aller au gré du vent, au gré des rencontres. Et bah, du coup la solitude me pèse moins. Regardez-moi cette viking avec mon petit drapeau. Hein, je représente. Allez, à toutes. Donc là finalement j'ai choisi, parce que vu qu'il est tard, c'est bien beau de papoter, mais à un moment donné faut y aller. J'ai choisi l'itinéraire de la route. En fait j'ai complètement défait les barrières que je m'étais mise dans la tête, c'est-à-dire que là je profite en fait. C'est comme si t'as une feuille, tu fais ça. Il y a le vent qui la souffle, et ben la feuille, c'est moi. Et voilà, en fait, je me laisse aller au gré des choses, au gré des rencontres, des petits villages mignons. Et puis, bah, dès que je pourrais au niveau... Parce que là, je fais le tour par la route pour éviter les dénivelés. Et en fait, dès que je pourrais, eh bah, je reprendrai les petits chemins quand il n'y aura plus trop de dénivelés pour que ce soit quand même faisable au niveau de, au niveau de mes capacités physiques. Et comme ça, bah, je verrai le littoral aussi, parce que le but, c'est ça aussi. Donc voilà, c'est bien de plus rester focus sur un truc. Faut que j'apprenne à me détendre finalement, parce que la vie, c'est ça aussi. C'est se détendre, pas rester objectif, pas rester dans son truc machin comme ça, parce que moi, j'ai tendance à être comme ça. Là, en fait, il y a tout qui a explosé, et je suis en train de, bah, de ce qu'on appelle le lâcher prise, tout simplement. Et ça fait du bien en vrai. Berneval-le-Grand. Du coup, quand je suis arrivée, c'était fermé. Donc j'ai squatté comme d'hab. Je suis allée me faire mon repas sous le préau. Et puis après, ben, j'ai attendu que ça ouvre. Et en fait, arrivé au moment où ça ouvrait, il n'y avait personne. Donc j'attendais devant l'accueil et tout. Et là, il y a un gars qui est venu sur sa tondeuse et tout. C'était marrant. Il dit... Vous voulez un emplacement pour une tente et tout? Je fais bah oui je veux bien, mais l'accueil est fermé. Il me dit bah c'est pas grave, installez-vous, puis vous direz que c'est moi. Je fais bah ok, c'est gentil, par contre là je vais être seule. En fait, il y a quand on arrive tout de suite sur la droite, il y avait bah, déjà il y a des ouvriers qui étaient en train de, des gars de chantier qui étaient en train de refaire la route, tout le bitume à l'entrée. Et
tout de suite, quand devant l'accueil en fait du camping des Goélands, il y a un grand terrain et genre j'allais être la seule tente. Donc moi je viens en camping pour en finir avec ça en fait. Genre là ça aurait vraiment été comme si j'étais en camping sauvage. Donc je veux plus être seule comme ça. Du coup je dis bah non, moi c'est comme si j'étais seule. Voilà, c'est un peu flippant quoi, parce que bah, ça génère un stress quand même quand on est seule. On n'est pas non plus rassuré quoi. Hein, faut dire ce qui est. Donc il dit ah bah je comprends, archi sympa le gars. Il dit ah je comprends, je serais une femme, je serais pareil et tout. Donc déjà j'ai trouvé ça super sympa parce que ça veut dire qu'il considère en fait ce que nous on ressent. Et ça c'est pas tous les hommes comme ça. Donc là j'ai trouvé vraiment le fait qu'il dise cette phrase là, j'ai trouvé super sympa. Donc du coup il m'a installé, je suis dans un emplacement qui s'appelle Grand Confort, il m'a fait choisir. Et puis je suis sur un emplacement de camping-car, donc là en fait tout autour il y a des camping-cars. Et au moins voilà, il y a de la vie, il y a des enfants, il y a des gens, voilà, tu discutes avec des gens, donc c'est cool. Et au moins bah, je serai pas toute seule. Donc voilà, là je viens de prendre une bonne douche bien chaude. Je me suis lavé les cheveux, ça faisait pas de mal. Et puis coup de soleil oblige, un petit coup de biafine. Donc voilà. Reconditionnement reconditionnement en fait total. Donc là voilà, un petit coup de biafine et je vais vous montrer mon petit secret pour pas avoir de courbature et pouvoir repartir le lendemain. Et en plus ils en fabriquent plus, c'est un truc que j'ai acheté 4€ à Decathlon il y a 3 ans, mais depuis que j'ai acheté je m'en sépare jamais en fait. Dès que je fais un effort du sport ou de la rando, obligatoirement le soir j'utilise ça. Et c'est pas un moment agréable au début, c'est très désagréable selon si on a vraiment forcé ou pas. Par exemple moi quand je le fais sur le mollet, c'est vraiment très désagréable quand vous allez moller tout dur et tout. Et en fait après vous passez à l'étape plus vous le faites en fait entre les chatouilles et désagréable. Et après en fait une fois que vous avez plus mal et que ça vous fait plus rien en fait, et ben c'est là où vous pouvez vous arrêter. Et vous verrez en buvant bien aussi, c'est deux choses primordiales, vous verrez que le lendemain vous n'aurez pas de courbature et vous serez OP pour partir. Et moi ça je le fais à chaque fois, même si des fois franchement j'ai pas envie parce que je me dis oh là là c'est pas agréable et puis c'est quand même long, enfin long, tu vois ça prend quoi, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'est ces 10 minutes, un quart d'heure là où même si t'as pas envie tu le fais, tu prends soin de toi parce que c'est important de prendre soin de soi parce que tu repars mieux le lendemain. Et ben, je le fais quand même si j'ai pas envie. Après ça, après petit massage des pieds, vérification s'il n'y a pas d'ampoule, un petit coup d'éosine s'il y a besoin, et tout ça c'est pareil, c'est l'hygiène et ça fait partie du bien-être. Et c'est ce qui fait aussi bah, que en fait que vous ne laissez pas mourir quoi, tout simplement. Il y en a ils font les bûches genre ouais je m'en fous, c'est juste une petite ampoule, ouais non pas besoin de ça, gna gna gna, pourquoi tu portais ça. En fait, chacun son délire. Moi, c'est juste que j'aime bien les gens qui prennent soin de soi et puis soin d'eux. Et puis voilà, en fait, c'est une manière aussi de se respecter, de respecter son corps. Bah, t'as mal, et bah, tu fais le nécessaire. Voilà. Bon, bah, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est tout con. Ça pèse pas non plus très lourd, mais voilà. Et je suis dégoûtée qu'ils en fabriquent plus, c'est-à-dire que si je le casse un jour, j'en trouverai plus. Et ils refont pas les mêmes modèles. Hein. J'ai cherché. Ils font des trucs, mais c'est pas pareil. Ça, c'est vraiment le truc parfait. Voilà, c'est ça. Vous voyez, là, il y a une poignée. Et ce qu'ils vendent maintenant, c'est. Ça fait pas le taf pareil. Ça fait le taf, mais c'est pas pareil. Voilà. Donc, vous passez sur la jambe. Et là, en fait, vous savez obligatoirement quel muscle a plus travaillé que l'autre. Donc là ça va, ici ça juste ça chatouille désagréable, tu vois. Mais je sais que les mollets c'est toujours, j'ai toujours des mollets durs comme du béton. Et là, ah ouais, là ça va être la galère. Bien sûr je l'ai pas dit, mais avant ça je me suis étirée en fait tout de suite quand je suis arrivée, en attendant que l'accueil ouvre. Je me suis étirée
Après, je fais ça. Et après, le soir, avant de me coucher, je refais une séance d'étirement. Je vous la montrerai prochainement. Hein. C'est rien, c'est juste des étirements vite fait. Voilà, bon, je vais pas tout vous montrer parce que ça va être long, mais en gros, c'est ça. Et on a tous des objets qui nous sont propres dans notre sac ou quoi. Il y en a qui diront, ouais, c'est n'importe quoi, machin. Moi, ça, c'est primordial. Donc voilà, après, il y en a, ils vont porter des bières, il y en a, ils vont porter des trucs. On a tous un truc que l'autre estimera truc à la con et que pour autant, pour la personne, ça sera très important. On a tous nos petits trucs. Donc je disais, je voyais déjà d'ici les commentaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, les commentaires, j'ai décidé de les enlever. Parce que j'aime faire des... En fait, j'aime filmer, mais à la base, quand je filme, c'est vraiment pour moi, pour me faire des souvenirs pour plus tard. Et en plus, je le mets sur YouTube simplement pour, dans l'esprit de partage. C'est pas dans l'esprit, c'est pas dans un esprit, envoyez-moi des commentaires, likez. Oui, likez, pourquoi? Pour avoir plus de visibilité, mais au final, je fais vraiment ça pour le partage. Et moi, quand je vois faire les montages, ça me plaît, faire des vidéos, ça me plaît, tout me plaît. La seule partie où, quand je me dis est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, c'est la partie commentaire. Parce que moi j'appelle ça j'appelle ça des Flanders, parce qu'il y a toujours un Flanders dans les commentaires. Il y a toujours quelqu'un qui va dire un truc à la con, du style ouh, dis-donc, bah t'as pris 30 paquets de mouchoirs, bon j'abuse, hein, t'as pris trop de paquets de mouchoirs pour 3 jours, bah oui, mais enfin déjà tu fais pas mon aventure. Déjà, t'es pas une femme, hein, parce que en général, la personne qui m'a dit ça était un homme. Donc déjà, évidemment, toi, quand tu vas pisser, t'as pas besoin de mouchoir. Et puis en plus, quand je clique sur le lien du gars qui a laissé le commentaire, je vois qu'il a une chaîne YouTube, mort de rire. Il me fait un scandale pour 3 paquets de mouchoirs, alors que le gars, il part faire ses bivouacs en buggy avec un matériel et une logistique énorme juste pour une nuit. Alors arrête de me tailler pour mes 3 paquets de mouchoirs. Si j'ai envie de prendre 10 paquets de mouchoirs pour 3 jours, je les prends. Déjà, comme je te disais, voilà, nous les femmes, on fait pipi souvent. Voilà. Enfin, en tout cas, moi c'est sûr, il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. Après, on sait jamais ce qui peut arriver. Je suis désolée, moi j'en suis pas au stade de prendre des feuilles pour m'essuyer. Hein. Je suis pas une survivaliste et puis bah voilà, après c'est pareil, tu peux très bien avoir il peut très bien arriver à tout le monde d'avoir la chiasse. Il peut très bien arriver à que tu sois indisposé malencontreusement, enfin voilà, il faut moi il me faut des mouchoirs de sécurité quoi. Tu vois, même si je m'en sers pas, c'est pas pour ce que ça pèse et puis voilà. Donc bref, donc ce genre de commentaires à la con ou alors quand j'avais fait une vidéo sur comment faire un sac et tout, la personne n'a même pas pris la peine de regarder la vidéo en entier et me dit dis donc, tu mets pas, qu'est-ce qu'il y avait, genre ouais, t'as pas pris de tapis de sol, alors qu'en fait t'aurais regardé la vidéo jusqu'à la fin, t'aurais vu que j'ai pris un tapis de sol. Donc en fait moi, ces genres de commentaires, ça me fait perdre du temps parce que déjà bah je marronne, je me dis ouais, faut pas que j'écrive des trucs méchants, donc j'écris le commentaire où je me lâche et tout, après j'efface tout, après je me dis bon, je reformule et tout, je perds du temps. Et en plus j'étais obligée de regarder ma vidéo pour voir, j'ai laissé le bénéfice du doute parce qu'après moi je fais les vidéos, je me rappelle plus, je l'avais mis, donc je lui ai dit bah si tu regarderas la vidéo à la minute temps point machin, tu verras que tout ça pour dire que je perds un temps fou, ça me fait marronner, les gens voilà, on n'est pas tous câblés pareil et j'ai pas envie de... Moi c'est juste dans un esprit de partage, c'est pas un esprit de... comme de réussir pour réussir, c'est-à-dire je m'en fous, je partage, c'est tout. Après, après voilà, si vous aimez c'est bien, si vous aimez pas vous tracez votre chemin, mais commencez pas à poser des questions à la con quoi, c'est chiant. Donc voilà, fini les Flanders, peut-être qu'un jour je remettrai les commentaires en activation, mais pour l'instant franchement c'est... Quand au moment de cliquer sur les commentaires, je sais pas, si à partir du moment où j'ai une appréhension, c'est à dire qu'il faut pas que je le fasse, voilà, donc je le fais pas tout simplement, et ça me fait plaisir. Donc c'est vrai que je passe aussi peut-être à côté de gens sympas,
qui sont du style à encourager ou quoi. Mais voilà, après, c'est dommage, certes, mais ça va pas non plus me faire perdre énormément de choses. C'est-à-dire que ça vaut pas une vraie rencontre comme là, quand je voyage, au moins je fais des vraies rencontres en direct. Que bah, sur les réseaux, les gens ils vont laisser un commentaire, tu vas plus jamais les revoir en fait. Donc, c'est pour moi, je sais pas. Peut-être que je les remettrai un jour, mais en tout cas, pour l'instant, ça me convient comme ça. Bon voilà, il est 20h, il est pas très tard. Je vais pas tarder à me coucher. Là, je fais un petit point topo pour demain. Je vais faire du Ho'oponopono. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des textes à lire. Enfin, vous en choisissez un. Moi, je fais le Ho'oponopono général. Si vous connaissez pas, allez faire un tour sur internet. Et c'est super. Franchement, ça fait grave avancer. Faut le faire régulièrement aussi. C'est plus important, donc moi je le fais bah, tout une fois par jour, voilà, soit le matin soit le soir. Là je vais faire le soir. Après je vais me faire une petite relaxation, alors soit ça, c'est meditative mind, voilà, ça fait du bien, ou alors je m'écouterai un petit Laurent Elie Lévy. Oui, je suis toujours accro à ces vidéos. donc voilà, d'ailleurs j'ai dû les voir au moins 15 fois chacune, tellement je les regarde, mais j'adore. Donc voilà, du coup ça fait, je pense que je vais me coucher d'ici vers 22h quoi. Voilà, allez, bonne nuit, et comme on dit ici en Normandie, bonjour.